les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous ai pas fait de vidéo ce matin parce que je me suis reposée. En fait, comme je vous ai dit ces derniers temps, j'étais un peu malade, pas au top moralement et tout, donc j'avais vraiment besoin de récupérer et voilà, de me reposer. Donc normalement, je le fais jamais parce que je me dis j'ai ça à faire, mais vu que j'étais de toute manière plus productive, il fallait que je me repose. C'est ça en fait, des fois quand vous n'allez pas bien mais que vous essayez quand même de suivre le quotidien, vous n'êtes pas au top, enfin vous n'allez pas faire je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de bonnes choses au final vu que vous n'êtes pas bien. Donc vaut mieux se reposer, c'est ce que je dis, et revenir en forme pour ensuite faire les choses. Donc c'est ce que j'ai fait. Du coup voilà, j'ai mis un peu de côté ce que j'avais à faire. Je me suis dit je ferai quand j'irai mieux, quand je serai au top. Donc voilà, et là je vais chercher les enfants, et on va aller chercher plus tôt aujourd'hui. Normalement je vais d'abord chercher Luna, ensuite Vittorio. Là je fais l'inverse parce qu'il y a une course de vélo, si je ne me trompe pas, dans Dubaï, et du coup ils ferment certaines routes à partir de 14h. Donc du coup ils finissent l'école un peu plus tôt, donc je vais aller les chercher là et profiter de mes amours. Et Luna est en vacances demain. Elle est tout le temps en vacances. J'ai l'impression que les écoles ici, alors je sais pas si en France vous avez des vacances en février, mais il y a toujours des vacances, j'ai l'impression. Donc Luna est en vacances, Vittorio non. Du coup voilà, j'ai prévu plein de choses avec ma princesse, je vous montrerai, ça va lui faire trop du bien, et moi aussi. Et quand c'est comme ça, on arrive à alterner avec Maxime, donc j'arrive à prendre sa voiture. Parce que lui, il s'entraîne en fait dans la journée. Il va les amener. On arrive vraiment à bien, en principe, à bien s'accorder là-dessus. Lui, il amène les enfants, moi je vais les chercher. Et quand il ne s'entraîne pas, si j'ai des choses à faire, je prends la voiture. Donc en attendant d'avoir ma voiture, on fait comme ça et ça marche très bien. Et voilà, quoi qu'il arrive, en fait, on s'aidera toujours là-dessus. Et pour les enfants et tout, comme ça, c'est vraiment top. On va chercher qui? Luna. Je suis dans les bouchons, donc je fais une petite vidéo. Vittorio, l'astuce, parce que en fait quand il est avec moi dans la voiture, il veut tout le temps le sein, tout le temps. Donc en fait il veut pas que je conduise, il veut être au sein. Donc l'astuce, je lui prends des sucettes. Je sais, c'est pas forcément voilà. Mais après, c'est des sucettes sans sucre, vitamines et tout. Je prends des sucettes. Des sucettes. Des sucettes. Tu sais que maman, elle prend des sucettes, hein. Comme ça, tu réclames pas doudou. C'est l'astuce de maman. Des toutettes. Des toutettes. Wouh. Des sucettes. Tu adores les sucettes? Oui. Alors là, du coup, on met les comptes. Piano. Waouh. Lalo. Lalo. C'est beau ce que tu joues. Viens. Bon, du coup, pour être de meilleure humeur, aujourd'hui j'ai mis de la couleur. Je me suis dit peut-être qu'en portant du rose et tout, ça ira mieux. Attention, on va avoir le kiki là. Et l'astuce pour qu'il aille sur le pot, c'est je le laisse tout nu, enfin sans couche. Et de lui-même, on lui explique, même là, maintenant, hein, qu'il faut aller sur le pot quand il a envie de pipi, qu'il faut le dire. On a les pipis par terre, mais c'est le jeu. Au début, voilà, c'est normal.
Bon, les amis, du coup, suite à la photo que j'ai postée tout à l'heure, beaucoup m'ont demandé d'où venaient mes baskets. Bon, ma robe aussi. Ça, je vous l'ai mis juste avant. Mais les baskets aussi. Donc, ça vient de chez Clarosa. Sur le site, ils ont des nouveautés chaque semaine. Là, vous avez jusqu'à moins 50%. Alors déjà, les prix sont petits. Franchement, c'est très raisonnable sur le site. Vous avez énormément de choix. Et moi, je vous laisse moins 30% supplémentaires. Donc, j'ai pris ces petites baskets-là parce que je trouve que ça rajoute vraiment une touche, que ce soit en robe, en pantalon, avec le petit côté léopard ici. Je vais vous mettre la référence. J'adore les baskets où il y a une grosse semelle comme ça, plein de couleurs. Donc voilà, avec le petit, la petite dorure ici devant, vous voyez. Elles sont juste trop, trop belles. Vraiment très confortables. Et j'ai pris aussi ces baskets. Je suis trop fan des baskets blanches comme ça, avec les petits détails sur les scratchs. Regardez. Hop, celle-ci, je l'ai mise. Voilà, avec les paillettes. J'aime trop, elles sont trop belles. Bon, faites pas attention, j'ai les jambes très, très, très abîmées. Donc, ne faites pas attention à ça, je veux vraiment les chaussures. C'est pour ça que j'ose plus mettre mes jambes nues, mais bon, de toute façon, j'ai pas le choix, j'ai les jambes trop abîmées. Donc, voilà, les baskets. En tout cas, avec une petite robe comme ça, comme je vous ai dit, hein, ou même un jean, le look, je trouve que ça fait trop canon. Et moi, je suis très basket en ce moment, donc j'ai pris celle-ci, que vous pouvez retrouver sur Clarosa, je vous mets la référence. Vous jouez à cache-cache? Comment tu dis cache-cache en anglais? Je sais pas. Hiding, c'est pas ça? Hide. Mm. Ok. Je te vois. Tu cherches Luna? Elle est où? Elle est où Luna? Elle est où Vito? Elle est où? Cherche Luna. Vittorio? Cherche Luna. Elle est où? Il est trop beau comment il se met. Bravo. Bravo Vito. Il passe sa petite tête. Ah ouais. Bravo Luna, t'étais bien cachée. Il a dû rentrer la tête dans le mur en tout cas. Bravo. Papa, il veut te montrer. Hein. Bravo, toi, Luna, fais voir. C'est beau. Hein. De l'autre côté, le trou. Oh, c'était à côté, ça. Papa. Wow. À toi, mon cœur. D'autres. Quelle couleur? Vert. Oula, oula, attention. Vas-y, tu mets dedans. Oh, ça coule, ça coule. Oh, ça coule. T'as fait un tapis vert, Vito. Oui. Un autre. Il est beau, hein. Waouh. Waouh. Fais pas tomber, hein. Coccinelle. Quoi ça? Avocat. Avocat. Bravo. Il adore l'avocat, bébé. Pendant que je fais cuire les épinards, le riz. Ah, Vittorio aussi, il adore le houmous. Il adore et c'est très bon. Pour les bébés. Ma nutritionniste, elle m'avait dit ça. L'avocat, le houmous, c'est très bon pour eux. Il laisse le pain. Ça, c'est le sien. Bon, c'est le sien et le mien. En fait, moi, j'aime trop aussi. Donc, le pot, je le finis en une soirée. J'aime trop. Mmh. Allô? Un autre? Tiens, on a la regarde. D'accord? C'est bon, ma vie? C'est bon? Cocotte.
Bon, Loulou, elle est devant son petit dessin animé. Et nous, les livres. Ça, c'est la vache. Regarde, ça, c'est tous les bruits de la ferme. La vache. Les moutons. Le chien. Tu vois? C'est le ver. C'est pas l'escargot, c'est un ver. Il croit que c'est un escargot, il dit sa maisonnette. Petit escargot porte sur son dos. La maisonnette. Oh. Ah non, c'est pas un maou, c'est un chien. C'est pas un chat, c'est un chien. Un ver. Ah, ninounet.